Salut tout le monde, j'ai sorti des nouveaux produits sur la boutique. Vous avez un large choix de plus de 500 produits. Vous pouvez choisir la taille, la couleur et bien évidemment le lien est dans la description. Allez, je vous souhaite un très bon visionnage. Et bonjour tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Oxymos qui vous parle aujourd'hui et on va se baigner. Regardez, Diego il a repris de la forme, il est tout en forme et ça c'est incroyable, on fait une petite baignade, voilà, on profite de la piscine, on profite du beau temps, on profite du soleil. J'espère en tout cas que ça va vous plaire, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis. Et à 5000 pouces bleus on fait un plongeoir qui va jusqu'à la limite du ciel et hop. On fait... Ah mais il m'a poussé, j'ai même pas pu te faire un plongeon, tiens. Bon voilà, on fera le plus haut plongeoir de la Terre les amis, à 5000 pouces bleus. Donc voilà, let's go, ça c'est incroyable. Donc voilà, et Diego il est super content, regardez, il joue, il y a du soleil et voilà, il devient un petit peu fou aussi. Ça se voit ou pas qu'il a pris des vitamines et qu'il a pris... Qu'il a pris des trucs pour être en forme ou pas, dites-moi en commentaire. Parce que moi, il me paraît quand même un petit peu fatigué, regardez-le là. Il me paraît un petit peu fatigué, voilà. Ah bah, non, je rigole. T'as l'air vraiment hyper actif par contre là, Diego. Mais en tout cas, ça va... T'es la seule personne sur Terre à pouvoir faire 3 tours de coups sans te le casser. Hein. Vas-y, remonte-nous. Vas-y. Vas-y dans l'autre sens. Ouais. Oh purée, il a un coup élastique les amis. Oh là là, mais tu deviens fou là. Faut t'arrêter un moment. Bon voilà, en tout cas il a de l'énergie à revendre les amis. Donc avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire aussi que regardez, il y a 4 panneaux. Donc voilà, c'est les 4 personnes qui m'aident au quotidien pour les vidéos, que ça soit à trouver des idées, à me construire des trucs pour les vidéos, etc, etc. Et bien voilà, il y a, qu'est-ce qu'il y a? C'est lequel que tu préfères parmi ces 4 là, Diego? Et c'est lequel que tu détestes le plus? Pourquoi il y a marqué Cuxi le caca sur le panneau? C'est bizarre. Bon, bref. Du coup, ah oui, bah c'est celui que t'aimes le moins. Ah bah pourtant, t'adores le caca comme Cuxi. Donc, je comprends pas. Tu devrais préférer Cuxi. Mais bon, du coup, bah voilà. Donc, c'est les personnes qui m'aident au quotidien, les amis. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Elles ont toute une chaîne YouTube, ces personnes-là. Donc, allez vous abonner à mes frérots. Alors, du coup, il y a aussi ma boutique de vêtements, oxymosu.com. Vous avez capté. Alors, voilà. Et d'ailleurs, pour ceux qui demandent le singe, les amis. Pour l'instant on l'a prêté à une famille d'accueil. Parce qu'il y en a, ils commençaient à me demander où il était passé le singe. On l'a prêté, enfin l'a prêté parce qu'avec tout ce qui s'est passé avec le pédophile, avec le kidnappeur d'enfants, eh bien on a eu pas mal de soucis. Du coup je pouvais pas trop m'occuper du singe. Et du coup bah je l'ai prêté à une famille d'accueil qui s'y connaissait en singe. Ils avaient déjà des singes chez eux. Donc voilà, ça fait un de plus. Et voilà, on va le récupérer quand tout sera re-bien. Parce que là c'est pas encore fait. Il y a la police qui va venir bientôt dans l'après-midi pour me poser des questions pour l'enquête. Parce que je vous rappelle que les dernières vidéos, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un kidnappeur d'enfants qui a kidnappé Diego. Arrête Diego de faire des bêtises là. Va jouer dans l'eau. Va jouer dans l'eau. Oh là là, tu fais n'importe quoi hein. Tu fais n'importe quoi. Faut pas vider la piscine. Reste à jouer dans l'eau. Arrête de faire des conneries. Sinon t'es puni de piscine. Et du coup, et bah bref, du coup il y a la police qui va me poser des questions pour enquêter. Ah bah il y a le grand-père là. Bah en attendant, grand-père. Ah oh, grand-père. Alors ça va grand-père? Bonjour Oxymo, ça va et toi? Oh bah ça va super bien. Bon, il s'est passé quelques trucs. Bon, quelques trucs, je t'ai rencontré. Ah, toi, tu fais tes petites fleurs. Oh là, pardon, je marche sur tes fleurs direct. Alors. Oui, là, j'étais en train de toutes les refaire. Ah oui, parce que ce matin, je voyais, il y avait de l'herbe partout, là. Il fallait débroussailler. Tu prends... Ah oui, j'ai tendu la pelouse et j'en ai replanté. Ah, bah, stylé. Bah, c'est bien propre, tout ça. Oh là, mais c'est un peu à l'abandon, ton truc, ici, là. Ah oui, faudra que je le rénove. Ah ouais, c'est bien dit. Ah bah ouais, bah regarde Diego, il est en train de s'amuser. Reste dans l'eau, Diego, reste dans l'eau, c'est bon. Oxymos. Oui. T'as vu la nouvelle d'un monsieur qui kidnappait les enfants? Justement, c'est ce que j'allais te raconter. Attends, il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir, grand-père. Parce que tu vas pas en croire tes oreilles. Tu vas pas encore tes oreilles. Bon, ok, grand-père, faut que je t'explique. Tu vois, si j'étais pas là ces derniers jours, c'est que, je sais pas si tu l'as vu, mais il y a quelqu'un qui était passé, qui est passé avec un camion plusieurs fois dans la rue. Avec marqué oui. Bonbons gratuits, Fortnite, gift cards, free, tout ça. Ok? Oui. Et en fait, il a alpagué Diego.
Il a alpagué Diego. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah Diego, il est monté dans son camion parce qu'il lui a proposé des bonbons gratuits. Sauf que bah c'est un kidnapping. Diego s'est fait carrément kidnapper, il s'est fait enfermer tout ça. Et oui, sauf que moi j'avais pas d'indice, j'ai retrouvé que le camion vide. Et finalement, en faisant des recherches près du camion vide, à un moment j'ai trouvé bah, justement le kidnappeur qui était près du proche du camion 2 jours après, 1 ou 2 jours après. J'ai réussi à le choper et il a pas voulu me dire où était Diego, mais j'ai réussi à le trouver et j'ai appelé la police et bah voilà. Et d'ailleurs en plus il était prêtre. Enfin il est oui, prêtre. oui, il était prêt, il est prêtre, oui. Ah oui, donc t'étais au courant de ça? Oui, là, j'étais au courant. Tu le connaissais? Oui, je le connaissais à chaque fois, il était dans l'église et tout. Je le Ah connais. Oui, parce que toi, tu vas à la messe le dimanche. Oui. Ah, d'accord. Ah, je pensais que tu faisais le ramadan. Moi, je pensais que t'étais... Ah, d'accord, pardon. Non. Ok. Bon, je sais pas... ouais, c'est parce que... Ah ouais, d'accord, ok, t'es chrétien. Bon, en gros, bah voilà. En gros, c'est... Il était prêtre. Enfin, franchement, ça dégoûte, quoi. Franchement, ça dégoûte. Du coup, bah voilà, tout s'est un peu réglé. Il y a la police qui va arriver bientôt. Et du coup, bah voilà, nous on est en train de faire de la piscine. Il y a Diego, il s'amuse, il se baigne. Et moi aussi, bah. Ah oh oui. Moi je suis en short de bain. Hein. Voilà, voilà. Est-ce que je peux me baigner avec vous? Hein? Te baigner? Oui. Bah c'est plus trop de ton âge. La loi elle est froide, hein. Faut pas que t'aies une Bah hydrocution. tu sais, j'ai l'air d'avoir 80 ans, mais j'ai que 20 ans. Bah t'as 20 ans dans ta tête, mais ça tous les vieux disent ça. Mais ton corps il va pas suivre, hein. Et faut pas que tu fasses trop d'efforts, papy. Tu vois, il y a un grand cagnard là et tu vas plonger dans l'eau fraîche. Faut que tu te mouilles là, faut que tu te mouilles la nuque, hein. Faut que tu fasses attention, hein. Oui, Mais attends, je vais me changer, j'arrive. vas-y, bah va te changer grand-père, va te changer. Oh merde, y a déjà. Oh là bah y a la police qui est déjà arrivée. Y a déjà la police qui est déjà arrivée. Diego, bah, Diego, qu'est-ce que tu fais? Diego, reste là, bouge pas, hein. Tu bouges pas, il y a la police. Voilà, sors un petit peu de l'eau. Tu vas jouer avec grand-père dans l'eau, ok? Tu vas jouer avec grand-père. Grand-père, il est là ou quoi? Ok, bon, ils sont en train de préparer des trucs. Oh, mais c'est pas la police, c'est le Ok. FBI. Ah, C'est bon. ah bah dis donc, on a tous des maillots de bain bleus. Oh là là, regardez les amis, il y a les 3 générations qui sont là, c'est incroyable, c'est incroyable. Bon bah voilà, grand-père, vas-y, hein, tu peux aller te baigner, mais mouille-toi un petit. Enfin franchement, moi je te conseille de vraiment, tu prends un petit peu d'eau et tu te mouilles la nuque. Bon, bon il fait ce qu'il veut. Allez, moi je vais les rejoindre comme ça en maillot de bain, vas-y, on s'en fout. Bonjour messieurs. Bonjour. 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 Vous avez bien une cyber kidnapping. Oui, c'est à propos du kidnapping. Oui, à propos du kidnapping, oui. On m'avait prévenu Ok. de votre venue. Je suis l'agent K et à côté de moi l'agent C. L'agent K et l'agent Bonjour. C, ok. Du coup, est-ce qu'on peut venir? Est-ce qu'on peut rentrer même? Oui, pas de soucis, venez. Est-ce qu'on a Venez. un endroit où s'installer, s'il vous plaît? Ah oui, bah ici on peut se poser à un endroit tranquille, ici, ouais. On peut Ok. s'asseoir ici. Voilà. Okay. Tac, tac. Voilà, moi je reste en face de vous, y a pas de soucis. Alors, je prends mes bouquins. Du coup, expliquez-moi un petit peu ce qui s'est passé pour commencer. Ce qui s'est passé, en gros, bah, si vous voulez, on était en train de jouer dehors avec bah, mon fils, juste là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un camion qui était étrange parce qu'il faisait plusieurs allers-retours dans l'avenue où vous êtes garé. Et du coup, papy, arrête. Du coup, bref. Et en fait, à un moment, pendant que moi j'allais voir justement mon grand-père, arrête Diego, va jouer dans l'eau. Et bref, du coup, j'arrive pas à me concentrer. Vous voulez pas en Excusez-moi. aller autre part? Oui, bah venez, Oui. on va dans le garage, on sera un petit peu à l'ombre et au moins peut-être s'il y a des gens qui nous écoutent, voilà. Restons ici. Arrête Diego, va là-bas. Ah, non, excusez-moi, Faut c'est mon tenir le fils. laisse. Ouais, bah depuis le début de la vidéo, il est comme ça. Enfin, depuis le début de la journée. Bref, du coup, à un moment, pendant que j'étais pas sous la surveillance de mon fils, le monsieur en a profité pour s'arrêter devant chez nous et proposer des bonbons à mon fils, justement. Sauf que moi, j'ai pas fait attention. Il est reparti, je l'ai vu repartir, normalement. Sauf que quand je suis revenu, bah, il n'y avait plus Diego. Et bah voilà, regardez, il a des mauvais souvenirs qui le remontent. Diego, va là-bas. Ok, c'est assez typique, c'est ce qui se passe souvent dans ce genre de situation. Ouais, bah voilà. Et du coup, et bah, nous, on était totalement paniqués. Et voilà, c'est comme ça que s'est passé le kidnapping, en fait. Ok, est-ce que vous pouvez me dire quand ça s'est passé, s'il vous plaît?
C'était il y a 5, même moins d'une semaine, c'était il y a 5 jours. 5-6 jours, si je me souviens bien. Ok. Ensuite, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu où est-ce que ça s'est passé, le kidnapping? Ça s'est passé juste à l'entrée, là. Juste à l'entrée. Ok. Voilà. Et j'ai retrouvé le camion... Voilà. Du coup, c'est ça que j'allais vous parler. Comment est-ce que vous avez retrouvé le fugitif, le kidnappeur? Alors, moi, le fugitif, je ne l'ai pas trouvé tout de suite. J'ai d'abord trouvé son camion. Il était accidenté. Il était tout vide. Il n'y avait ni Diego, ni lui, ni aucune preuve. Et justement, le lendemain, j'y suis retourné pour continuer l'enquête. Je suis reparti de mon seul indice qui était le camion qui est vers là-bas. Et je suis tombé sur lui. Il était en train de... Je sais pas ce qu'il fouillait dedans, mais il farfouillait un truc. Ok. J'ai poursuivi, je l'ai trouvé. Dedans. Ouais. Est-ce qu'il y avait des caméras autour, quelque chose qui, ou quelqu'un qui aurait pu voir ce qui s'est passé? Honnêtement, je sais pas. Moi, j'ai vu personne, j'ai vu aucune caméra. Donc, est-ce que ces caméras... cette caméra peut-être... Bah, embarquée là, peut-être que s'il n'y avait pas le van devant, à mon avis, il n'y avait pas le van devant, donc oui, peut-être que vous aurez une vue dégagée sur là, ouais, effectivement. Ouais. Agencé, prends toutes les cartes à dire, s'il te plaît. Okay. Ah oui, c'est vrai que là, vous aurez pas mal de preuves, là, du coup. Ok, parfait. Arrête, Diego. Oh, stop. Faut arrêter de m'embêter, là, je suis avec le FBI. Non, excusez-moi, Ensuite, il est... Est-ce que, quand vous êtes allé au van, est-ce qu'il y avait des gens avec... Est-ce qu'il y avait des gens? Il y a des gens avec vous, quand vous êtes allé au van. Oui, je crois qu'il y avait mon fils Diego. Je crois qu'il y avait mon fils Diego, okay. Mais bon, il peut pas parler, donc il vous aidera pas à grand-chose. Ensuite, donc le van, il est où? Le van, vous voulez qu'on y aille? Oui, s'il vous plaît. Je vais vous le montrer. Alors, on y va avec votre voiture de FBI? Oui. Asseyez-vous derrière. Ok. Waouh, elle est super belle, votre voiture de FBI. Merci. Elle fait un bruit de tracteur, par contre. Ça. C'est mes impôts? Oui. Mais ne me manquez pas de respect comme ça, je vais m'énerver. Je vais vous emmener sur des fausses pistes, monsieur. Mais monsieur, c'est pour vous aider, vous savez. Ça. Ouais. Ah ouais, je l'ai... En fait, le camion, il est dans la mer. Il est dans la mer. Dans la mer. Mais ouais. Vous foutez pas de moi. Non, allez, avancez, c'est tout droit. Ok. C'est tout droit. Et du coup, en fait, moi, j'ai eu un petit peu peur, je vous avoue, parce que je vous ai pas contacté tout de suite. Parce que moi, quand je l'ai retrouvé, je vous avoue que le kidnappeur, j'ai pas été très sympa avec lui, quoi. Si vous me comprenez. C'est vrai qu'il avait des traces de brûlure. Ah, il avait des traces de brûlure? Oui. Oh, merde! Alors là, ça m'étonne par contre. On va en parler après, monsieur. Non, je rigole. C'est bien vrai. Ok, du coup, c'est ça, c'est frais du sang, carrément. Ouais, alors là, c'est peut-être qu'il a percuté un animal. Ça, c'était déjà là, je pense. Oui. Mais du coup, vous voyez, regardez. Free Fortnite Gift Cards. Donc je crois que vous parlez pas trop anglais, mais en gros ça veut dire monsieur. Ça veut dire gratuit Fortnite cadeau carte. Monsieur FBI, on se doit de parler anglais. Ah d'accord. Alors faites-moi la traduction. Venez. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Alors, free candy. Des bonbons gratuits. Ah ok, bon vous parlez anglais en fait. Voilà du coup. Donc voilà, il a le pagaie les enfants avec ça, ce fou furieux. Il mérite qu'une seule chose, c'est d'être enfermé dans le moteur. T'appelleras les unités pour récupérer ce camion. Ouais. Et du coup, il avait pas dans le... Alors ça, en gros, c'est long à expliquer, mais le deuxième jour, j'ai enquêté avec un ami à moi qui s'appelle Kugzi. C'est un gros rat, mais vraiment le plus gros rat que vous connaissez, enfin vous avez jamais vu quoi, vraiment le mec il pourrait vendre son chien pour 25 centimes quoi, enfin c'est un truc de fou à quel point il a assoiffé de thunes ce mec, enfin c'est un truc de dingue quoi. Genre c'est si je vous explique... qu'il est petit de taille. Enfin un peu de respect monsieur s'il vous plaît. Si je vous ai... je vous explique un petit peu, tu voyez, pour vous expliquer un peu la gueule du mec quoi. Donc le mec vraiment il pourrait vendre son chien pour une sucette à la fraise quoi. Bref, du coup il a volé les roues, il a trouvé que c'était une opportunité bonne à prendre et je sais pas, il a dû les revendre, les mettre sur son camion à lui. Ce crevard. D'accord. Ah oui, il y a plus de moteur aussi, ouais. Il est très fort. Ouais, c'est un gitan comme on n'en fait plus aujourd'hui. Hein. OK. Et du coup s'il vous plaît, donc vous avez
En fait, quand vous avez trouvé le monsieur, vous avez fait quoi avec lui? Oh là là, je vais faire. Eh, j'ai mis tarif au monsieur, hein. J'ai mis tarif au prêtre, là. Oh, comment bah là, ça? c'est à coup de noyade, à coup de brûlure, à coup de. À coup de. Ah, le coup de taser, ça, c'était vos collègues de la police muni. Non, mais j'ai. Monsieur! Quoi? Vous êtes un criminel, monsieur! Non, non, mais j'ai rigolé! Non, mais en vrai, non, mais vous me comprenez, vrai, c'est... Non, vrai, j'ai va, réagi ça, sous le coup de l'émotion! Oui. J'ai réagi sous le coup de l'émotion, puis finalement, je l'ai livré à la police! Non, s'il porte pas plainte, ça va le faire. Ouais, bah, j'ai pas intérêt qu'il porte plainte. De toute façon, regardez. Prendre un avocat, monsieur. Un avocat. Finalement, si j'avais rien fait, il aurait recommencé avec d'autres enfants. Oui, c'est vrai. Mais tiens, je connais un très bon avocat. Je pourrais vous le proposer. Ok, bon, bah, super, super. Et du coup, bah, voilà, après, je l'ai rendu à la police. Alors, sachez qu'il a pas voulu me dire où était Diego. Mais je l'ai retrouvé parce que voici la pièce à conviction. En gros, il l'avait enfermé dans un parking souterrain et il avait la caméra pour le surveiller. Sauf que moi, je lui ai volé sa caméra, ses caméras de surveillance. Ok, ça va nous permettre de trouver peut-être l'identité, le truc en plus, merci. Voilà, et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Okay, alors, si vous pouvez me ramener chez moi... Est-ce qu'il avait des complices? Bah oui, parce que justement, le parking souterrain, il lui appartenait pas. Il était dans un immeuble, dans l'immeuble qui est juste là, l'immeuble gris. En gros, ça, c'est le parking souterrain d'un ami à lui, qui a l'air tout aussi bizarre que lui. Hein. Bah, on ira le voir. Il s'appelle Capitaine. Voilà, c'est tout ce que je sais. Capitaine. Ouais, voilà. Et il fait des blagues douteuses. Enfin, vraiment, c'est bizarre. Voilà. Ok. Je vous ramène. Ah, merci beaucoup. Allez, dépêchez-vous là, j'ai pas que ça à faire. Allez, côté, le FBI là. C'est de l'autre côté. Oh là là, le camtar. Ok, faites gaffe au créneau. Waouh! Ok, attention, c'est bon. Waouh, waouh, waouh. Attention, monsieur. Ouais, y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Waouh, waouh, mais vous avez un V16 dedans. Oui. Un moteur de. Là, ça, vous pouvez tracter un bœuf là. Ça va être 32, je crois. Monsieur, vous êtes dedans, on a réussi, c'est un exploit. Allez, mais je vais continuer de vous dire des fausses informations, moi. Mais comment ça, monsieur? Allez, merci, toutou. Hop là. Pardon, hein, monsieur. Non, je rigole. Merci le FBI. Ok, allez, bonne journée, monsieur. Bonne journée. Bon, Diego, y a quoi, là? Pourquoi tu pleures depuis tout à l'heure? Les amis, Diego... Alors attends, j'attends que le FBI parte. Oh là, collègue, vous avez oublié votre collègue. Le FBI, allez hop. Oh là là, le collègue il a été éjecté de la voiture. Allez, salut. Oh là là, le bruit du truc quoi. Eh Diego, tu m'énerves à être hyper actif comme ça. Quoi? Oh le grand-père. Il est au fond. Il est au fond comme une encre, merde. Depuis le tout à l'heure, il est mort.